L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de L Sport, l'émission 100% femmes, 100% girls, 100% sport. Avec ce soir, eh bien, une équipe quasi au complet. Ça va effectivement, normalement, les retardataires arriveront dans quelques secondes, quelques petites secondes. Et ce soir, un programme plus que chargé avec une invitée que vous connaissez tous. Ce soir, je jouerai les Nelson Montfort exprès effectivement pour elle. Rassurez-vous, je ne parle pas toutes ces langues, mais je parlerai français comme Nelson Montfort. Avant de vous la présenter, avant de vous dire qui c'est, présentation de l'équipe du soir avec le retour de nos deux absentes de la semaine passée, entre autres. Bonsoir à Nina et bonsoir à Amélie. Bonsoir. Ça va les filles, pas trop... Ça va, la pêche, la forme? La version off ou la version... Ah non, la version normale, la version honnête, objective. Toujours la pêche, pourquoi? Toujours la pêche. Amel, ça va? Ouais, nickel, très bien, merci. D'accord. Alors Amel, un petit truc on a un petit truc à lui dire, mais on lui dira effectivement en fin d'émission, parce que Amel ce soir a pris un petit peu de l'âge, elle a un petit peu vieilli aujourd'hui et beaucoup lui ont souhaité effectivement son anniversaire directement sur la page d'El Sport et on les en remercie et Amel effectivement les en remercie beaucoup, mais elle vous le dira mieux que moi tout à l'heure. Alors vous le savez maintenant, hein, vous pouvez nous retrouver effectivement sur Facebook, sur Twitter, un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et ce soir, un nouveau partenariat donc avec Life in Sport. Et donc, nous ferons ce soir un chat exceptionnellement après l'émission sur Life in Sport. Donc, créez dès maintenant vos profils, créez dès maintenant vos users et on se retrouve juste après l'émission. Donc ce soir, je vous le disais, ce soir, je suis Nelson Montfort. Je fais de l'athlétisme, je suis présent un petit peu partout, je parle 45 langues, je comprends 70 langues. Mais ce soir, on reçoit en tout cas l'une des plus grandes athlètes de l'athlétisme français. Il faut le dire, il faut être honnête, une des athlètes les plus récompensées, qui encore détient bon nombre de records de France, qui a participé aux Jeux Olympiques, qui a gravi le monde, qui a gravi l'Europe, qui a gravi la France. Elle a tout gagné, c'est simple, elle a tout gagné, sauf les Jeux, mais elle a été médaillée. Donc, que peut-on lui reprocher? Bonsoir à Madame Muriel Urtis. Bonsoir Muriel. Bonsoir tout le monde. Est-ce que j'ai oublié des choses ou pas dans la présentation? Non, mais c'était une belle présentation, merci pour cet éloge. C'est mérité. Après, je ne sais pas, mais c'est sympa. D'accord, alors... Muriel, effectivement, il faut qu'on le rappelle, Muriel qui est ambassadrice donc de l'UNSS France, qui est notre partenaire, et ambassadrice aussi de Life in Sport, notre nouveau partenaire. Donc on fait un petit peu coup double ce soir en mettant un gros coup de projecteur sur nos deux amis, nos deux copains donc de l'UNSS et donc de Life in Sport. Alors vous le savez, c'est un secret pour personne, ou presque en tout cas. Ce soir, il y a plusieurs débats, il y a un débat et Muriel aura l'honneur et la chance de choisir le premier débat du soir. Le premier débat, donc il y a deux propositions. Je vais les citer et Muriel ensuite, après réflexion, nous dira ce qu'elle préfère. Premier débat, sport individuel ou sport collectif, comment gère-t-on le quotidien? Elle Sport veut tout savoir. Et le second, l'athlétisme permet-il de subvenir entièrement aux besoins du sportif en général au vu de son économie et de sa popularité? Muriel, à toi de jouer. Dis-nous tout, tu préfères quoi? On part sur... Oui, bah après sur le premier. Allez. Donc sport individuel ou sport co, comment gérer le quotidien? Voilà. Tout un programme, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, ce soir, on a des sportifs d'élite à la fois de sport co et de sport individuel. Individuel, voilà. On va pas s'ennuyer ce soir, rassurez-vous. Alors, première question, Muriel, que beaucoup nous ont posé, comment
toi tu as, enfin, comment toi tu gères après plusieurs années de carrière ta carrière au quotidien, tes résultats au quotidien, parce que tu fais un sport individuel, tu es aligné sur toutes les épreuves de sprint. Clairement, oui. Comment tu gères toi le quotidien aujourd'hui entre les entraînements, la famille et autres? Enfin, mon quotidien, bah, c'est une vraie organisation hein, pour le gérer effectivement. Dans ma carrière, j'ai couru des 100 mètres, des 200. Là maintenant, j'entame une carrière, une petite carrière sur 400 mètres. Donc bah, tout ça, ça demande de l'organisation, un rythme, une hygiène de vie établi avec des moments de récupération, une alimentation sur laquelle on fait attention, un rythme de sommeil aussi qui joue un rôle très important, plus les entraînements, plus la vie quotidienne. Donc c'est vraiment une organisation. Et sur ça, pour être performant, je pense que surtout, faut pas qu'il y ait des failles. Il faut mettre tout de son côté pour ne rien regretter et pour aller chercher son objectif de l'année. D'accord. Alors, on le sait, Muriel, tu es mère de famille. Donc, est-ce que c'est pas trop dur de gérer ce métier, on peut le dire, ce métier de maman et ce métier de femme de sportive de très haut niveau? Ah, je vous cache pas que ça a été très très dur au début. J'ai énormément eu de mal à gérer les deux, hein, le fait que je sois devenue maman et que je prenne la décision de continuer le sport de haut niveau. Donc, comme je disais tout à l'heure, les premiers mois, c'était vraiment, j'étais très débordée. Et puis surtout que mon niveau, mes performances, elles sont arrivées que 2 ans après mon accouchement. Donc, c'est vrai qu'il y a une période assez très délicate mentalement pour moi aussi. Donc ça m'a demandé pour concilier les deux d'avoir une organisation bien faite, bien établie pour pouvoir à la fois gérer ma vie familiale et ma vie de sportive de haut niveau. C'est vrai que mon fils, il allait en crèche. Pendant son temps de crèche, ça me permettait de m'entraîner, de faire mes soins de kiné. Bon, je le récupérais. Bon, c'était une autre vie qui était là pour moi. Enfin, un autre côté de maman, à s'occuper de son fils, à s'occuper de sa famille, prendre soin de lui. Donc, voilà, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour concilier les deux, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie avec le recul. D'accord. D'accord, effectivement, c'est pas facile. On va poser effectivement la question, on va passer un petit peu du sport individuel au sport co. On va poser effectivement la question à Nina qui est dans la même physionomie. Dans le même esprit que toi, effectivement, qui est aussi maman, qui fait du sport co, et qui a repris sa carrière donc après cette naissance. Toi, Nina, comment tu gères au quotidien donc, ton fils et effectivement ta carrière pro? C'est comme ce que Muriel disait, c'est vraiment une organisation à toute épreuve, sachant qu'avec un enfant, on a beau organiser, il y a toujours des imprévus. Donc, c'est pas facile parce que c'est un rythme qui est franchement très speed. Et comme on est des compétitrices, on a aussi à cœur de vouloir retrouver son niveau très rapidement. C'est vrai que moi, je suis revenue 5 mois après l'accouchement en équipe de France. Donc voilà, j'ai eu la chance peut-être de récupérer un petit peu plus vite que Muriel, mais je crois que j'ai pris plus de kilos qu'elle. Je pense pas. Non, 35, Muriel. On avait pris 35. Ah bon, d'accord. Bon, j'avoue que là, tu m'as un peu battu, mais j'en ai pris énormément. J'en ai pris trop. Et donc, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de kilos moi aussi, d'où mon retard à retenir un niveau correct. Et c'est vrai que moi, cet article m'a fait beaucoup de bien parce que moi, je le doutais. Après cette prise de poids, je me suis dit, c'est impossible. Et c'est vrai qu'après, quand on devient maman, l'emploi du temps est difficile, on doit courir un peu derrière le temps, mais je veux dire, les sourires et puis voir son enfant s'éveiller, ça te donne toute la puissance et la force du monde, quoi. Donc, au quotidien, tu dors pas beaucoup. Mais ouais. Tant que t'aimes ce que tu fais, je pense qu'il faut continuer. D'accord. Alors, on va poser la question effectivement à Amélie qui fait son anniversaire, on le tient à le rappeler, c'est important, c'est 29 ans, mais qui n'est pas donc dans cette physionomie donc de rôle de maman. Malgré tout, elle a des études à côté de sa vie donc de joueuse d'élite de football féminin français. Toi, Amé, aujourd'hui, comment tu arrives à concilier à la fois tes études et
ton rôle dans l'effectif de Rodez, par exemple? Ben, enfin, moi, tout d'abord, je leur lève mon chapeau parce que c'est déjà compliqué d'assumer un statut, de pratiquer un sport de haut niveau et ensuite, à côté, d'avoir un travail. Alors, en plus de ça, avoir des enfants, c'est quelque chose à côté qui prend beaucoup de temps et c'est vrai que là, il faut avoir un emploi du temps super organisé, quoi. Et comme Muriel et comme Nina, je sais pas, je sais même pas quoi dire parce que je me vois pas aujourd'hui encore avec un enfant et faire ce que je fais quoi. Ce serait même pas possible. Bon, parce que j'ai mon travail et parce que voilà, le foot, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que les quatre entraînements du soir, je ne pourrais pas garder mon enfant si j'en avais un, donc. Donc voilà, c'est même pas envisageable si je fais ce sport-là. Donc après, moi, personnellement, je devrais choisir, c'est ou le sport ou la vie de famille, les enfants, etc. Justement, alors là, Amé, tu m'inspires une vraie question. Muriel, à un moment, est-ce que tu t'es dit, maintenant que je suis maman, j'aurais pas le temps de concilier effectivement les deux pour avoir des très hautes performances? Est-ce que j'arrête ou pas? Est-ce que tu t'es dit à un moment, c'est bon, ma carrière est faite, j'ai plus rien à prouver, je peux arrêter tranquillement? Non, non, j'ai jamais eu cette pensée durant ma grossesse. Pour moi, dans ma tête, c'était clair. Je reprenais l'athlétisme après la venue de mon fils. J'étais tellement sûre de moi que je me voyais déjà revenir au bout de quelques mois. Donc, grosse désillusion, hein. Donc ça, j'ai pris vraiment une claque par rapport à ça. Mais dans ma tête, pour moi, il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Certes, j'allais être maman, une jeune maman, mais la clé, non, je ne le mettais pas de côté. Parce que c'était ma passion et que pour moi, il me restait encore beaucoup de choses à accomplir. Je voulais pas terminer ma vie de sportif comme ça. Et le fait d'avoir un bébé ne m'a pas tout de suite fait peur. Donc, je me suis sentie capable de gérer les deux de front. Bon, je l'ai fait, mais avec grosses difficultés. D'accord, Et parce alors vas-y, Ami, pardon, vas-y, Ami. comment, je voulais juste demander à Muriel, tu as rattaqué justement la compète à partir de combien de temps après ton accouchement? La compétition, donc moi j'ai accouché au mois de mars et ma première compète c'était au mois de janvier, fin janvier de l'année suivante, donc 9 mois après. Une grossesse après. Ouais, grossesse après. Pour faire Mais ça. après, je pense que pour les sports individuels, c'est un peu plus compliqué. Moi, je pense que j'ai eu la chance de revenir parce que je fais un sport co. Et que qui Oui. dit sport co dit qu'on peut un peu se reposer sur les autres. On ne doit pas avoir notre top, top niveau tout de suite. Alors que C'est Muriel, vrai. voilà, c'est un sport où ça ment pas et voilà, c'est le chrono, quoi. Donc, Oui, je pense que ça explique aussi la différence de temps. C'est un des avantages des sports co, hein, mais. voilà, c'est le côté avantageux des sports courts. C'est sûr qu'en athlétisme, on n'a pas le droit à l'erreur sur la piste. On est tout seul avec soi-même. On est face à ces chronos et c'est le chronomètre qui parle. Donc, on ne peut pas se reposer sur une autre personne. C'est un sport individuel. C'est vrai que dans les sports co, bon, des fois, on peut être moins bien et ça peut passer inaperçu juste en se Tout à reposant fait. sur ses coéquipières. Là, en athlétisme, c'est plus compliqué. Là, tu as un résultat au bout. Ton chrono, si t'es pas bien, il se voit tout de suite. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus vivant, quoi, les sports individuels. D'accord, bah écoute, moi ça me va très bien. Alors justement, enfin, c'est vrai qu'on le sait, beaucoup de sportives aujourd'hui privilégient leur carrière et ont un petit peu peur d'avoir une vie de famille, une vie avec des enfants, par crainte de flinguer un peu leur carrière. Est-ce que toi, cette crainte-là, tu l'as eue, Muriel, ou pas du tout finalement? Non, je l'ai vraiment pas eu. Je l'ai vraiment pas eu parce que j'avais, bon, à la fois, bon, j'étais jeune et j'avais confiance en moi à l'époque. Donc après, moi, je peux comprendre ce choix. Enfin, pour l'avoir fait une fois, je l'aurais jamais fait une deuxième fois parce que
c'est aujourd'hui, si je fais un deuxième enfant, c'est impossible. Je ne vais jamais revenir, je ne vais jamais avoir la force, le courage, parce qu'il faut avoir vraiment un courage et une force énorme pour relever ce challenge. Et je l'ai fait une fois, je sais que deux fois, je l'aurais jamais fait. J'aurais pas réussi à revenir. Et je peux comprendre que certains sportifs se disent qu'ils ne se voient pas avoir un enfant parce que du coup, ils ne sont peut-être pas capables après de reprendre, ils ne sont peut-être pas capables de gérer les deux de front. Donc, c'est aussi un choix. Mais bon, de plus en plus, on commence à voir des sportifs féminines avoir des enfants durant leur carrière et reprendre après. Donc, ça dépend de la mentalité et l'envie de l'athlète. Alors effectivement, tu le dis maintenant, de plus en plus de sportifs féminines durant leur carrière ont des enfants. On l'a notamment vu avec Kim Clijsters en tennis, qui a eu des enfants, qui est revenu et qui a gagné l'US Open, donc quoi, deux mois après son retour, donc, oui, ce qui est absolument incroyable. C'est absolument unique et incroyable. Enfin, effectivement, c'est assez utopique, hein, finalement. Toi, Nina, est-ce que tu avais peur un petit peu de ça, donc qu'en ayant effectivement ton fils, ta carrière elle parte un petit peu en lambeaux et que ça soit terminé? Mais en fait, je pense que quand on a un désir d'enfant, on pense pas forcément à ça. La vraie crainte qu'on a, les sportifs de haut niveau, c'est que derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, moi j'avais dans ma tête, j'avais cette hypothèse que je reviens pas à mon niveau et qu'effectivement, bah, ma carrière peut-être qu'elle aurait dû s'arrêter. Mais ma question, c'est qu'est-ce que j'allais faire comme travail? Est-ce que j'allais retrouver un travail qui allait me plaire? C'est surtout cette crainte, je pense, qui fait qu'on n'ose pas franchir le pas en plein milieu de la carrière. Parce que la reconversion, elle n'est pas préparée et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Tu vois, le côté sportif, bien sûr, c'est un doute, c'est un risque à prendre, mais bon, je veux dire, on se fait des croisés ou un truc comme ça, c'est 6 mois, hein, il y a quoi, 3 mois de différence. Moi, je pense que c'est surtout la crainte de qu'est-ce qui va se passer après, quoi. C'est l'inconnu professionnellement et ça fait un petit peu peur. Donc, beaucoup, beaucoup de peur. On m'a posé la question à Amélie, effectivement, qui n'a pas ce rapport, donc pour le moment, en tout cas, et bientôt, en tout cas, on l'espère, avec les enfants. Mais toi, Amélie, si tu devais faire un choix aujourd'hui entre ta vie d'étudiante et ta vie de sportive, est-ce que tu pourrais le faire ou est-ce que ça serait très compliqué de le faire, finalement? La vie d'étudiante, c'est-à-dire, tu me parles si je devais avoir un enfant ou pas? Non, aujourd'hui, à choisir entre tes études et ta vie de sportif, si tu devais faire un choix, est-ce que tu le ferais ou est-ce que ça serait compliqué de faire ce choix, justement? Ça serait compliqué, j'ai déjà eu à le faire, mais bon, je m'en suis toujours sortie jusqu'à présent. Maintenant, je pense que à 29 ans, j'ai quand même fait mon temps dans le sport et il faudrait quand même privilégier la suite, c'est-à-dire le travail, parce que moi, je ne vivrai pas du foot. Il y en a très peu qui en vivent en France aujourd'hui et donc, il faut être réaliste et voilà, savoir s'arrêter à un moment donné. D'accord. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc toi tu dirais bon bah quitte à effectivement faire un choix, autant arrêter et privilégier la vie de famille, pas mettre les deux d'un coup. Oui. Voilà. Oui, après c'est aussi compréhensible. Je veux dire, tu travailles. D'un côté, moi, l'athlétisme, j'ai eu la chance de pouvoir en vivre et de ne pas me poser la question derrière ma grossesse, est-ce que je vais me retrouver en difficulté ou pas, parce qu'à l'époque, j'avais mes partenaires qui m'ont suivi après ma grossesse, donc j'avais déjà cette crainte en moi. C'est sûr que après, si il y a le fait qu'on travaille, le fait qu'on soit maman, le fait qu'on soit sportif de haut niveau, là c'est quand même 3 choses à mener de front et c'est pas évident. Là je pense qu'il faut faire un choix et le choix le plus judicieux, pourquoi pas remettre l'enfant au plus tard, parce que la carrière d'un sportif elle dure pas toute une vie, donc peut-être profiter de ces années là pour après ensuite être tranquille et former sa vie de famille. D'accord. Alors, effectivement, oui, former sa vie de famille, on mettra plus tard, c'est quand même des projets importants dans la vie d'une femme, on le sait, hein, faire des enfants, c'est quand même une chose qui est assez importante. Et finalement, beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, donc, remettent ces choses-là plus tard pour privilégier une vie sportive. C'est assez compliqué. Alors, Muriel, est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer aujourd'hui, étant maman, ta journée type, c'est quoi? Ta journée type, clairement. Ma journée type, en ce moment, depuis le mois de septembre, elle est très très compliquée, très chargée, parce que
Bah, moi, je suis en fin de carrière et j'ai décidé de préparer ma reconversion professionnelle. Donc, j'ai entamé cette année une formation de psychomotricien. Donc, pour être psychomotricienne par la suite, après mes 3 années de formation. Donc, plus mes entraînements, puisque je continue encore sur une année, et plus ma vie de famille. Donc, c'est vrai que c'est super chaud et je suis souvent très, très débordée. La journée type, pour te répondre, c'est le matin. Là, en ce moment, moi, je suis en cours. Heureusement que j'ai mon ami qui m'aide pour mon petit garçon et qui m'emmène à l'école, qui me permet d'aller en cours. Et après mes cours, j'ai mes entraînements. Après mes entraînements, je fais mes soins. Derrière, je rentre. Je passe des moments avec ma famille. Je mets mon fils au lit, le bain, le lit. Et puis la soirée, elle passe très vite. Donc mes journées, en ce moment, c'est ça. C'est un rythme assez soutenu et... C'est pas évident, mais d'un autre côté, il faut que je prépare mon après-carrière et pour cette année, j'ai fait ce choix-là. D'accord. Alors, ça m'intéresse beaucoup, mais je vais revenir juste après sur ce point-là. On va poser la question effectivement à Nina, qui elle aussi est maman. Nina, une journée type de Nina Kanto, handballeuse, c'est quoi? Ah, debout 6h15, Moi, sinon j'ai je la ne dors réponse, pas. mais donne-la aussi. Donc ça commence à 6h15 par le biberon, l'habiller, 7h l'emmener à la crèche, 8h, 10h bosser un petit peu pour ma boîte de com parce que voilà, c'est beaucoup de prospection, prendre des rendez-vous avec les patrons de boîte, etc. 10h midi entraînement, midi 14h manger au repas, effectivement, soit avec une radio, parce que souvent je suis très invitée, comme je viens de monter un peu ma société, ça intéresse tout le monde. Donc j'essaie de caler un maximum de rendez-vous. Surtout nous. 16h-18h entraînement, après on va chercher les petits. On va jouer dehors jusqu'à 19h15, le bain, le repas, à manger pour le papa. Et à partir de 21h30, il est couché. Et là, je respire. Sauf le mercredi soir où tu es prise, mais effectivement, oui. Le mercredi soir, c'est le papa qui le couche. Voilà. On est d'accord. Non, mais c'est une belle journée type. Alors, Amélie, toi, une journée type de footballeuse, c'est quoi? Ben, moi, je me lève pour aller travailler, et le soir, entraînement, et après, je rentre, je suis claquée, et voilà. C'est la footballeuse. C'est vrai que toi, en C'est plus, tout simple, t'étudies pas à côté de ton centre d'entraînement, donc t'as la route et tout à faire, donc c'est assez compliqué en non? général. Oui, voilà, bon, j'ai 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, enfin, voilà, j'arrive. Je me change, je vais m'entraîner. Voilà. Donc je rentre chez moi, je mange à 10h, puis voilà quoi. Et tout ça grâce aux Et je entraînements. repars le lendemain matin à 7h. Enfin voilà, c'est la journée. Sympa la Mais journée bon, après. pour un statut amateur. C'est cool finalement. Hein? Pour un statut amateur, c'est cool finalement. Oui, mais au moins ça passe vite les semaines. Hein, donc. Oui, je viens de croire là. Alors justement, moi j'aimerais revenir sur ce que Muriel disait à l'instant, parce que ça, j'ai eu un éclair de génie, ça m'arrive parfois. À l'instant, Muriel préparait sa reconversion. Eh bien, Muriel, tu feras quoi plus tard? Alors avant que Nelson le sache, je vais le savoir avant Nelson, ce qui est quand même bien pour moi, franchement, je me sens bien. On fait quoi, donc Muriel, après, qu'est-ce que tu feras comme métier? Après, je serai, s'il arrive au bout, je serai psychomotricienne. Il n'y a pas de raison, mais. Donc, psychomotricien, donc, c'est un thérapeute. C'est un thérapeute qui vient en aide aux personnes qui ont des problèmes moteurs, personnes qui ont des difficultés après. Des difficultés enfin, corporelles. En fait, c'est une thérapie par le corps pour les personnes qui ne parlent pas. Et donc, on sait exprimer le corps au niveau des séances pour justement libérer toutes les émotions, toutes les tensions. C'est à la fois aussi un thérapeute sur la rééducation après les traumatismes, un thérapeute qui s'occupe des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. C'est très très large en fait. Le psychomotricien a une fonction vraiment très très large et c'est ce qui m'a plu dans ce métier et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. D'accord, Donc, ça donc. rallie à la fois le corps et le psychisme, l'esprit.
D'accord, donc toi finalement tu pars, tu as déjà un petit peu anticipé l'après-carrière. Est-ce que tu sais à peu près quand ta carrière pourrait se finir? Je dis bien pourrait parce que moi j'ai pas envie qu'elle se termine. Enfin, tu m'as fait rêver toute ma jeunesse. Oui, pas envie qu'elle se très très bientôt. Hein. Bon, c'est vrai que bon, vas-y Muriel, vas-y Muriel, enchaîne. Vas-y, t'inquiète pas, c'est juste un test. T'inquiète pas. Les Jeux de Londres 2012, ça a été mes... Et je voulais pas terminer sur... Sur... J'ai décidé de continuer une année. Alors, on est désolé parce qu'on a un petit souci pour joindre Émilie, en fait, qui nous manque beaucoup ce soir, et on fait tout pour la joindre à côté, en fait, c'est pour ça. Ah. Tu peux entendre un petit bruit, c'est normal, c'est qu'on essaie de l'avoir, et il y a un petit souci technique, c'est pour ça, mais rassure-toi. Tout va très bien, t'en as l'antenne, tout va bien, tout roule. Bon. Donc, je disais, je sais plus, j'ai perdu le fil. Ah, tu parlais effectivement de ton après-carrière, de ta retraite. De mon après-carrière, de ma retraite. Donc, j'ai fait le choix cette année de continuer sur une année, de poursuivre un an pour ne pas couper comme ça après les Jeux. Donc, ça veut dire que dans un an, tu arrêtes? Oui, logiquement, dans un an, je m'arrête parce que, bon, j'ai 33 ans, l'année prochaine 34, ça fait 15 ans que je fais du haut niveau, donc c'est vrai que je pense que j'ai vécu de beaux moments dans l'athlétisme et que j'ai fait mon temps et qu'il faut savoir s'arrêter et passer à autre chose. C'est quand même une nouvelle incroyable, puisqu'effectivement, en exclusivité, tu nous annonces que dans un an, tu vas raccrocher les pointes. Oui, à moins que j'ai du mal, mais bon, c'est... je pense que c'est très peu probable. D'accord, mais c'est une grosse information. Je ne pensais pas, effectivement, que tu allais me répondre, et encore moins que ce soit une période aussi proche. Je suis un petit peu triste, parce qu'effectivement, ben, moi, je suis tout jeune et je t'ai suivi dans toutes les espoirs depuis pas mal d'années. Je suis un petit peu triste finalement là, tu vas me faire pleurer en direct. Non, mais ben non, faut pas. Non, mais si. J'ai fait mon temps. D'accord, ben écoute. Ça devient très dur, enfin pour le corps aussi, c'est devient de plus compliqué. J'ai beaucoup de douleurs, j'ai des articulations qui vont pas très bien, donc forcément, à force de tirer sur la machine comme ça, ben, le corps il aime pas trop et il est un peu en souffrance, donc aussi il faut savoir, ben, le corps il parle, donc ben, il a vraiment besoin de se reposer. Oh là là, je vois tout à fait de quoi tu parles, Muriel. Justement, Nina Canto, tu as pris la parole, dis-nous tout. Toi, la retraite, tu y as pensé ou pas? La retraite, moi j'ai dit je m'arrêterai à Rio. À Rio de Janeiro. Je dirais à Rio. Tu vas aller faire la samba avec les filles à Rio, toi? J'ai dit que je dois finir au soleil, donc je serai à Rio, soit en tant que joueuse de l'équipe de France de handball, soit en tant que consultant pour une grande chaîne. Voilà, mais je serai à Rio. Donc, toi, tu as décidé que tu allais continuer encore au moins 3, voire quasiment 4 ans, finalement. Oui, je m'arrêterai presque à l'âge de Muriel. Hein, j'ai 29 ans, j'ai 33 ans. Donc, t'es toute jeune. Voilà, mais j'arrêterai ma carrière internationale. Je pense que je continuerai quand même en club. Mais la carrière internationale, ça va aller. T'es toute jeune encore, t'inquiète pas. Ouais. C'est l'impression que je donne. C'est vrai, c'est une impression. Je suis d'accord. Moi qui te connais, c'est une impression, mais non, tu es tout. Ouais, parce que tu m'as jamais vu monter les escaliers le matin, jamais. T'as pas vu non plus faire, je te rappelle. Ouais, c'est pas beau à voir. Pour moi aussi, c'est la même chose. On dirait une mamie, mais alors, des fois, je me dis, mais comment je vais faire pour courir ce soir à l'entraînement, tellement que je suis vraiment une mamie, quoi. C'est, à l'entraînement, je sais pas quelle force me prend, mais j'y arrive, mais. C'est l'adrénaline et puis l'effet de voir les petites jeunes qui dandinent devant toi, tu te dis, ah ouais, la maman, elle est pas finie. Ça doit être ça, ouais. C'est ça, parce que franchement, je comprends pas. Mais à chaque fois, je me dis ça, mais comment je vais faire pour faire ma séance ce soir? Je sais pas par quel moyen je vais réussir à la faire. Mais bon, au bout du compte, j'ai réussi à faire ma séance, je la fais. Les filles, vous me surprenez, on est entouré de mamies finalement ce soir. J'avais deux jeunes athlètes pleines d'avenir et finalement, non. D'accord. Elle est belle l'équipe de France. Hein. Ah ben, elle est beau le drapeau français, les filles, bravo. Belle étendard. On a donné notre corps à la nation. Ça, c'est très beau, ça. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est pas la nation qui va nous payer nos prothèses. Hein.
Hein, quand on aura mal au genou, au dos, partout. Ah ouais. C'est pas non plus le sport par manque de fond, on est désolé, on va pas pouvoir là. Alors, sur cette bonne note de bonne humeur, Amélie, toi, t'as pensé déjà à ta retraite footballistique ou pas encore? Ben oui, hein, cette fin de saison, hein, sera la dernière. Oui, comme celle de l'année dernière. Hein? Comme l'an passé. Non, celle-là, j'arrête, après c'est fini. Il faut savoir arrêter un jour, hein, donc voilà. Que tu avais fait une vraie fausse retraite il y a quelques mois, tu étais finalement revenu, donc t'as... là tu Ben essaies. oui, c'est vrai. Puis bon, j'ai vu qu'encore je pouvais, il y avait des restes, donc je pouvais continuer une dernière saison. Oh, des beaux Bon, restes. après, il y a Je des vais être invité au blessures, jubilé, donc moi. pardon? Je vais être invité au jubilé, moi. Ah ben, Ouais, mais oui, il n'y a pas de problème. mais vous le savez, les filles, quand on va à Rodez, on y reste 3 jours et 3 jours, on est malade, donc vaut mieux pas y aller. Oh non, non, non. Non, mais je viendrai sur Paris, je viendrai dans le coin là-haut, dans le nord, hein, au nord faire le jubilé. Ok. Ouais, je retiens la date, ok. Donc la gestion du quotidien, eh ben, on l'a vu, c'est pas forcément très très simple. C'est beaucoup de jonglerie finalement, hein, si on résume, entre la famille, le travail, entre la vie de femme. Donc si on résume en un mot, Muriel, pour toi, le quotidien, c'est compliqué, c'est simple, c'est vraiment difficile en un mot. Non, c'est difficile. C'est du sport, quoi. Ouais, c'est très difficile. C'est du Ouais. sport. Nina Conto, pour toi, c'est quoi le quotidien? C'est hard. On le C'est sait, chaud. ouais. Pour le coup, par la plus dédicace à Stéphanie à quoi, c'est chaud cacao. Ah, c'est C'est chaud cacao, comme dirait Stéphanie Daudet, ouais, c'est ça. ça, voilà. Dédicace à Steph, on lui fait des gros bisous. On sait, elle nous écoute assez régulièrement, on lui fait des gros bisous au passage. Amiette, le quotidien, c'est tendu, chaud, c'est quoi? Ah, c'est fatigant, oui. Oh, mais les Surtout filles, quand on s'entraîne avec les garçons, souvent, à côté des garçons, et on les entend se plaindre, alors qu'ils sont payés à jouer au foot. Et leur journée, leur quotidien, c'est entraînement, sieste. Le lendemain, entraînement, sieste, voilà. Leur quotidien. Et c'est vrai qu'à côté, nous, qu'est-ce qu'on devrait dire? Oh, je te Mais rassure, Amélie, c'est pareil chez moi. J'ai des bon. coéquipières, Ouais, mais c'est on garde pareil. le sourire. Ouais. D'accord, bah donc les filles, donc rapidement, parce qu'effectivement, on va. Muriel effectivement est un petit peu prise, on va en abuser un petit peu encore une Non, mais dernière moi je suis question. bien avec vous, je pense que je vais y rester. Eh bah, avec grand plaisir alors. Voilà. Alors justement, Muriel, donc j'anticipe un petit peu sur le second débat, mais la relation avec les garçons de l'équipe de France, c'est plutôt sympa ou est-ce que tu sens qu'il y a une dissension enfin, entre nous, comment ça se passe avec les garçons? Non, ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'en athlétisme, on sent pas cette différence qu'on peut ressentir sur d'autres sports, parce que c'est un sport qui se pratique dans un même lieu, à un même moment, qu'on soit des filles, des garçons, on est tous ensemble. On s'entraîne ensemble, en même temps, on a des séances communes. Moi, je me suis longtemps entraînée avec des garçons qui m'aidaient à l'entraînement pour l'émulation. J'avais des sparring partenaires avec qui avaient pas un niveau international, mais un niveau national qui me permettait de me dépasser. Donc, c'est vrai que les relations hommes-femmes en athlétisme se passe plutôt bien. C'est sûr que les performances ne sont pas identiques, hein, entre les hommes et les femmes. Et que ça commence à diminuer, non, je rigole, mais ça se passe très bien parce qu'on a la chance d'avoir, si on fait un championnat du monde, ben les championnats du monde, il est en même temps pour les hommes, pour les femmes. Et c'est sûr qu'il y a des disciplines qui sont phares. Le 100 mètres homme, c'est la discipline phare des championnats, des Jeux olympiques, tout le monde attend des bols, mais le 100 mètres féminin est aussi très bien regardé, donc on n'a pas cette discrimination. En tout cas, moi, je l'ai jamais ressenti dans mon sport. D'accord. Alors justement, ça c'était le sujet qu'on avait abordé la semaine dernière. C'était comment faire grimper effectivement un petit peu la médiatisation du sport féminin. Et ce que beaucoup effectivement avaient dit dans nos chroniqueurs, c'est qu'il fallait des compétitions en même temps, sur un même endroit, sur un même lieu, à la fois pour les gars et pour les filles.
Donc c'est un petit peu ce qui se passe actuellement en athlé. Et c'est un bien finalement, enfin, parce que les filles ont une grosse médiatisation en athlé grâce à ça finalement aussi. Oui, on peut le penser. Après, donc tu n'es pas d'accord, dis-nous tout. Ah non, 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 on peut le penser. C'est vrai que bon, ça a toujours été plutôt comme ça. Après, sinon, il faudra remonter trop loin en arrière. Et là, je suis incapable de savoir ce qui se passait. Mais c'est vrai que le fait de se déplacer pour une compétition, et puis sur la compétition, il y a autant bien des épreuves féminines que masculines, forcément, on est obligé de parler des performances qui se font sur le lieu de la compétition. Et puis en athlétisme, à partir du moment où il y a performance, on parle du sport. Donc on parle du sportif, qu'il soit homme ou femme. D'accord. Donc, effectivement, pour toi, c'est une bonne chose au final qu'on parle un petit peu de ça. Ah oui. Mais... tu vois, je pense que le fait que les compétitions soient mixtes, finalement, la question homme-femme, elle ne se pose même plus en athlétisme. Moi, je sais que j'ai fait de l'athlétisme un petit peu à mes débuts, en BNSF avec Nadji Ducouré, que tu connais bien, Gabriel. c'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Hein. Mais moi, quand je regarde une compétition, comme elle dit, Muriel, je regarde aussi bien le 100 mètres homme que le 100 mètres dame. Le 100 mètres homme, il est beaucoup attendu. Pourquoi? Parce qu'il y a Usain Bolt. Parce que dans toutes les disciplines, tu as toujours une star, une vedette. Mais c'est pas parce qu'il y en avait une chez les femmes, je pense que ça aurait été pareil. Moi, je pense que la question de homme-femme ne se trouve même plus en athlétisme. Muriel, tu es ton avis? Comment? Ton avis, Muriel, la question homme-femme, la parité, on en parle encore en athlétisme ou c'est plus la peine d'en parler? C'est non, on en parle pas énormément, non vraiment pas, parce que après moi quand j'ai commencé à faire de l'athlé, à commencer à faire des compétitions au niveau international, ce qu'on voyait comme différence, c'était des primes. Des primes sur certaines disciplines, elles étaient différentes entre les hommes et les femmes. Là, c'est vrai qu'à une certaine époque, au début, quand j'ai commencé, j'entendais des remarques qui étaient faites sur ça. Et je sais qu'au fur et à mesure des années, il y a eu une inégalité, totale entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, les hommes être femmes sur un grand meeting running et primé de la même façon que à 100 mètres féminin. Je sais qu'avant c'était pas le cas, donc il y a eu une évolution, mais après en dehors de ça, en athlétisme, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences sur le terrain entre les hommes et les femmes. D'accord. C'est pas le cas partout, donc c'est effectivement bien de non, malheureusement, c'est pas le cas partout. Oui. C'est pas le cas partout, et on a vu notamment tennis ces derniers temps, par exemple, en tennis, puisque les hommes n'étaient pas d'accord pour que les filles aient une récompense égale financièrement parlant sur les tournois, estimant que eux se donnaient plus que les filles. Donc effectivement, c'est un petit peu limite. C'est un petit peu macho, on va dire. Très macho. Empruntons les mots qu'il faut, effectivement. Alors, j'ai une première réaction pour toi de Karine, notre spécialiste Anne, qui nous écoute et qui nous dit qu'elle est très triste après ton annonce il y a quelques minutes, concernant effectivement ton départ, malheureusement, des pistes. Et elle est très triste, elle dit effectivement, on a toujours connu Muriel et effectivement, elle est trop triste ce soir de ce qu'elle vient d'annoncer, quoi. Mais il faut pas être triste. Après, il faut pas être triste, parce que, pour moi, il faut savoir faire le choix d'arrêter. Il faut bien que j'arrête un jour. Hein. Je vais pas être avec ma canne sur le terrain. C'est vrai que déjà, les petites jeunes m'appellent la mamie. Hein. Donc, bon, c'est plus du respect qu'autre chose. Oui, non, mais elle me taquine. Elle me taquine, mais bon, je suis toujours là, mais j'ai également aussi envie de passer à autre chose, envie d'avoir une autre vie, hein, parce que bon, c'est vrai qu'en tant que sportif de haut niveau, on est un peu déconnecté de la réalité. Moi, je sais que j'étais un peu déconnectée
de la réalité et le fait ces dernières années que je me sois cherchée, parce que plus les années passaient, plus je commençais à me rendre compte, bah, il faut que je sache ce que je vais faire après mon sport, parce que moi, ma carrière ne me permet pas de vivre après mon sport, donc c'est pas des salaires de footballeur, donc derrière il faut que je trouve quelque chose qui me colle à moi et qui puisse m'épanouir, et le fait d'avoir trouvé un projet professionnel me permet pas d'avoir du détachement, mais d'être plus sereine et d'être contente de pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Donc, je vois pas ça comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif. Donc, c'est un autre projet de vie qui se fait en face de moi, et je suis en train de le mener en ce moment, et en même temps, je continue vraiment la clé à haut niveau, puisque j'ai vraiment de véritables objectifs pour cette année. Mais l'année prochaine, ce sera une année très difficile pour moi. L'année prochaine, je vais vraiment me consacrer à ma reconversion. D'accord, donc tu n'as même pas profité de ta dernière année de sportif, tu as vraiment préparé directement l'avenir en fait. Oui, je prépare, oui, parce que bon, c'est une formation quand même qui dure 3 ans. Donc je vais faire être diplômée en juin 2015. Ça va venir vite. Derrière. Comment? Ça va venir vite. Oui, ça va venir vite. Mais oui, c'est vrai que les années, elles passent vite. Donc bon, je continue sur 2013 et puis après, je me consacre à ma formation. Après 34 ans pour une sprinteuse, je pense que c'est le bon âge. Après, continuer avec acharnement, les performances commencent à devenir de plus en plus difficiles à poter leur bout de leur nez, le nez. Donc, forcément, j'ai plus la même jeunesse, j'ai plus la même explosivité. Donc, les résultats se font de plus en plus rares. Et c'est aussi difficile pour moi, qui ai connu un certain niveau, de courir après des chronos qui sont difficiles pour moi de réaliser. Donc là, cette année, j'étais au jeu, donc mon objectif c'était d'y être, mais d'y être sur l'individuel, et j'ai pas réussi à faire mes minima. J'y étais, mais avec le relais, donc on a fait un superbe relais avec les filles. C'était un moment magique pour moi, puisque j'ai pu faire une finale olympique et j'y ai profité à 200% de ce moment. Mais les performances, je suis très lucide, je sais qu'elles seront très difficiles à arriver. Je serai moins dans la facilité en prenant de l'âge qu'à 25, 26 ans. Et puis, il faut savoir se retirer la tête haute. Hein. Je veux dire, il faut partir quand on est encore justement. J'allais le dire. Je suis d'accord avec elle, il ne faut pas s'acharner parce qu'on finit aigri et frustré. Là, au moins, elle s'arrête sur une belle note et elle pourra se dire voilà, ma carrière, bah, je l'ai aimée, je l'ai rêvée, je l'ai eue, quoi. D'accord. Alors justement, là les filles, c'est un cadeau de vous avoir. Vous me faites une superbe transition vers le débat numéro 2, parce qu'effectivement Muriel donc souhaite rester encore un petit peu. Alors le débat numéro 2, c'est la considération des hommes vis-à-vis des femmes, vice versa. On a un petit peu parlé tout à l'heure déjà. Dans l'athlétisme, fait l'unanimité. On le sait, en athlée, les hommes et les femmes sont copains. Pourquoi ne remarque-t-on pas ça ailleurs, finalement, dans les autres disciplines collectives ou individuelles? En tennis, c'est pas le cas. Dans les sports co, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait qu'en athlée, c'est différent, Muriel? Oui, bah c'est un peu comme on le disait tout à l'heure. Dans l'heure, sur une compétition, on est tous sur un même jeu. Tu auras le 100 mètres qui partira à 10h, le 100 mètres femme qui partira à 10h10. On est vraiment dans la compétition en elle-même. Après, le tennis est féminin, bon, les gens sont moins intéressés par le tennis féminin parce que bon, on entend c'est pas intéressant, c'est pas assez rapide, c'est moins puissant.
les hommes, il y a plus de jeux. Enfin, moi, je trouve pas. Moi, j'aime à la fois le tennis féminin et le tennis masculin. C'est vrai que dans les sports collectifs aussi, le foot, dans le foot féminin, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les filles font du foot ou ne sont pas intéressées par le foot féminin. Et je pense que les championnats du monde qui se sont déroulés il n'y a pas longtemps a fait changer beaucoup d'avis sur le sujet, parce que l'équipe de France de football féminin a vraiment bluffé et épaté beaucoup de gens. Moi la première, je suis désolée de le dire, mais moi la première, parce que j'ai suivi les championnats du monde et j'ai été bluffée de la façon dont ça jouait. Quand je vois certaines équipes de football masculin, comment ça joue, les filles, elles m'ont vraiment bluffée. Ça râle pas, ça fait pas de chichi, et ça joue, et je pense que elles souffrent d'un manque de communication, elles souffrent d'un manque de reconnaissance. C'est vrai que quand on regarde le journal phare du sport, qu'est-ce qu'on voit? Première page, enfin, on voit 10 pages sur le football masculin et derrière, il y a 5 pages pour tous les autres sports qui essayent d'avoir une place. Donc, je pense qu'il y a énormément un gros travail de communication à faire et je pense que ça pourrait, bon, on va peut-être pouvoir changer ou faire que les gens aient des opinions différentes sur le sport féminin. On va se faire mousser un petit peu. Tu penses un petit peu que la démarche qu'on a, nous, avec Elsport, c'est la bonne démarche à adopter finalement pour médiatiser le sport féminin? Oui, bah par exemple, oui, parler du sport féminin, faire découvrir, donner envie aux gens de s'y intéresser. Donc effectivement, c'est des démarches comme ça qui font que on arrivera à parler de plus en plus du sport féminin, qui doit avoir sa place comme les autres sports masculins. D'accord. Nina, même question. Est-ce que toi, enfin, pourquoi, pour selon toi, en monde, il y a tant de disparités entre les hommes et les femmes? Au niveau du hand, tu penses qu'il y a autant de disparités que ça? Ah bah, il y en a un qui est médiatisé avec de l'argent, l'autre qui l'est gratuitement déjà, donc il y a une petite différence. Parce que nous, les filles, c'est l'amour du maillot, je plaisante. La jupette à messe, en tout cas. Ah, ouais, c'est ma jupette. Non, ben, c'est toujours les mêmes problématiques, moi. Je me déplore vraiment. Tu vois, par exemple, les garçons, je connais énormément de joueurs de l'équipe de France, et effectivement, on se voit que sur les compétitions des Jeux Olympiques ou en dehors, parce que voilà, on a pris des liens d'amitié. Et je pense que si on faisait un peu comme l'athlétisme, au tennis, ils se mettaient à faire comme en athlétisme et à faire des compétitions mixtes, déjà, ça permettrait aux athlètes de handball masculin de s'intéresser au handball féminin, de se rendre compte que voilà, les garçons, c'est beaucoup plus sur le physique, à ce qui sera le plus costaud, le plus lourd, et que nous, les filles, c'est beaucoup plus sur la technique, la rapidité et l'agilité, et que finalement, les deux peuvent faire. Moi, je suis une handballeuse, j'aime bien regarder les matchs de garçons, comme j'aime regarder les matchs de filles. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ce problème de mixité au niveau des compétitions qu'on veut trop créer. On veut faire beaucoup d'événements pour faire parler de handball, mais que peut-être on va en faire moins et ensemble. Voilà. Parce que moi, je me souviens qu'on a quand même réussi à remplir une salle à Lyon de 10 000 personnes quand on a fait la qualif pour le championnat du monde, garçons et filles mélangées. Et il faut continuer. Le problème, c'est que malgré ça, on n'en tire pas les conclusions, quoi. Voilà, on repart dans cette même démarche. Et c'est pas faute de dire que la fédération se bat pour nous, parce qu'on a quand même la chance d'avoir une fédération qui se bat pour les filles. Ça, C'est vrai. je peux pas dire le contraire. Au niveau des primes, d'objectifs, c'est la même chose filles et garçons. Donc, il y a vraiment une parité qui est à souligner. Et non, moi, je pense que c'est vraiment ce problème de mixité, hein, c'est tout, parce que y a plein de gens à Metz qui allaient au foot, je les ai convaincus de venir au hand, ben maintenant, ils adorent le hand. Alors qu'avant, ils me disaient, oh, ça fait 10 ans que j'habite ici, j'ai jamais été voir un match comme la meilleure équipe de l'Hexagone, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est un peu paradoxal. Non, mais c'est objectif, c'est Metz est la meilleure équipe actuellement de France, c'est très objectif de le dire, donc il n'y a pas de honte à le dire. Et ta réflexion, effectivement, est bonne, puisque nous, on a eu le cas dernièrement avec l'un de nos reporters, donc de Elsport, qui s'est déplacé à Lyon la semaine passée pour un match de foot féminin et qui depuis est devenu amoureux du foot féminin alors qu'il ne le connaissait pas du tout. Donc les gens ont besoin de découvrir le sport féminin pour l'apprécier et en devenir fan aussi, finalement.
Voilà. Et pour qu'ils puissent se découvrir, il faut que ça passe sur les chaînes nationales. C'est pas gagné Et ça. non des chaînes payantes. C'est pas gagné. Ton avis, Amé, sur la question? Ben, en fait, moi, j'ai une autre idée aussi, c'est que l'athlétisme, c'est quand même un des sports les plus anciens, c'est le sport le plus ancien. Donc, et puis, il y a toujours quasiment eu de femmes aussi dans ce sport-là, alors que les filles au foot, par exemple, ça date des années 70, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est très récent. Donc c'est vrai qu'on a du mal à ça accepter, mais bon, petit à petit, bon, ça commence, voilà, les gens commencent à connaître le foot féminin. Mais je pense que maintenant, il faut beaucoup d'action pour que justement, oui, les gens arrivent à voir que les femmes savent jouer au foot et puis apprécier ce sport-là comme un autre, quoi. Donc maintenant, à savoir comment, ça, je sais pas trop. Mais bon, après Muriel, j'ai vu que tu faisais pas mal de. Tu étais été dernièrement la marraine d'un marathon à Toulouse, Oui. pas loin de chez moi. Et je voulais savoir justement si ça faisait venir des jeunes dans les clubs, le fait d'être marraine, de promouvoir un peu ce sport-là. Est-ce D'accord. que c'est important ou pas? Oui, enfin là, c'est vraiment, enfin le marathon de Toulouse, c'était une très très belle organisation parce que certes j'étais la marraine, mais derrière ils avaient vraiment fait un projet, une manifestation autour de la jeunesse, autour des jeunes sportifs, des clubs de la région. Et c'est vrai qu'il y a eu une course que j'ai réalisée avec tous ces jeunes qui ont été sélectionnés des clubs. Donc j'étais à leur rencontre, on a eu un échange, on a parlé, on a échangé, on a posé des questions. Et derrière, on a fait un petit challenge, on a fait des courses ensemble. Et moi, je trouve ça, enfin, pour moi, c'est important d'être présente sur des manifestations comme celle-ci pour promouvoir l'athlétisme. Parce que la course sur route, c'est de l'athlétisme aussi. Et puis, le fait qu'il y ait des jeunes pour les motiver, pour. Qu'il y ait une petite étincelle qui s'accroche à quelque chose pour ne pas baisser les bras. Donc c'est vrai que le message, l'athlétisme, c'est pas un, le message que j'ai passé, c'est que l'athlétisme, c'est pas un sport facile, c'est un sport qui est dur, mais c'est un sport qui forge et qui transmet plein de valeurs qu'on retrouve dans la vie au quotidien. Enfin, moi, le dépassement de soi, il a été super important. Et le dépassement de soi, il est aussi super important dans la vie de tous les jours. Il faut se battre pour avoir, il faut pas lâcher. Et dans l'athlétisme, il faut se lancer des objectifs et essayer d'atteindre son objectif. Et si on n'y arrive pas, ben, l'année prochaine, on se refixe le même objectif et forcément, on va trouver quelque chose. Et aujourd'hui, on a fait quatrième, ben, l'année prochaine, on essaie d'être faire troisième. Et il faut trouver ce challenge, ce dépassement de soi qui est important au jour d'aujourd'hui. On a une jeunesse qui souvent baisse les bras, qui n'y croit pas, qui s'endorme un peu sur eux-mêmes. Donc c'est vrai que moi j'aime aller à la rencontre des jeunes pour faire passer ce message, pour discuter avec eux. Et c'est vrai que bon, en général les jeunes sont heureux, contents, ça se passe très bien. Et ça, je le fais assez régulièrement. Alors, justement, moi, j'ai une question, effectivement, à poser à Muriel, puisque, effectivement, comme on le rappelle, hein, L Sport est partenaire officiel, donc, à la fois de l'UNSS et de Life in Sport. Muriel, entre toi et moi, qu'est-ce qui fait que tu as basculé dans l'athlétisme? Bah c'est très simple. Moi, j'ai basculé dans l'athlétisme parce que j'avais un professeur d'éducation physique au collège qui m'a poussé à faire de l'ENSS. Donc moi, je suis un pur produit de l'ENSS. J'ai commencé l'athlétisme par l'ENSS au collège, par un prof qui a vu chez moi des aptitudes à la pratique de ce sport et qui m'a encouragé à m'inscrire à l'ENSS. Et c'est vrai que j'étais un peu réticente au départ parce que la première année, j'ai refusé, la deuxième année,
aussi, et c'est qu'au bout de la troisième année, enfin, donc de ma quatrième, quatrième, troisième, que j'ai accepté de m'inscrire à l'ESS. Et là, j'ai tout de suite accroché à l'athlétisme. Ça m'a tout de suite plu. Et depuis, j'y suis. Et c'est vrai que je remercie toujours ce professeur d'éducation physique qui a su me convaincre de faire de l'ESS. Alors moi, cette histoire, je la connaissais un petit peu puisque j'ai échangé avec une personne que tu connais bien, qui s'appelle Françoise Barthélémy de l'UNSS, et qui me disait que tu étais une fille absolument en or, qui n'hésitait pas un matin à se lever à 6 h du mat pour aller effectivement donner un départ de crosse d'école à 8 h du matin. Est-ce que c'est vrai tout ça? Dis-nous tout. Ben, les crosses, les départs sont assez tôt, hein, le week-end. Donc, bon, 6 heures, peut-être pas, mais bon, des fois, oui, il a fallu que je me rende à 8 heures pour le départ d'une course. Donc, forcément, le week-end, on se lève un petit peu tôt pour ça. Mais bon, après, le réveil est un peu difficile, mais c'est très vite oublié parce qu'on passe un moment tellement riche entre les échanges qu'on peut avoir avec les personnes qu'on rencontre, que forcément, l'agréable prend le dessus. Alors, bon, là, effectivement, on a un petit peu divergé du débat. Moi, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de passer à l'interview décalée tout de suite, puisque là, on commence à effectivement y mettre un petit peu les pieds. Amé, je te laisse la parole et encore bon anniversaire. Ah, merci pour moi. Je voulais savoir si Nina avait des questions pour Muriel ou pas. Alors, on a Fosse, je suis Muriel, sûr. si j'ai une question, bien sûr. Comment as-tu fait pour retrouver la ligne aussi? Pour retrouver la ligne, ça a été très très difficile. Ça, j'avais un entraîneur qui, sans lui, je pense, n'aurait pas réussi à ce moment. J'aurais pas réussi à ce moment-là. C'est vrai qu'après mon accouchement, j'avais énormément de poids à perdre. Et quoi, 2 mois après, j'ai vraiment repris de la condition physique, mais douce, hein, parce qu'on n'a pas fait les choses brutalement. Je faisais du vélo. Un jour, je faisais du vélo. Un jour, je faisais de la natation. Un jour, je faisais de la marche. Un jour, j'avais un repos. J'ai fait ça pendant 2 mois. Vélo, marche, natation. Vélo, marche, natation. En faisant attention à mon alimentation à côté. Et je peux te dire que ça a été très difficile parce que j'aime pas faire du vélo. J'aime pas nager. Et j'ai jamais eu autant de mal à marcher. Oh ben, je te rassure, hein, je suis passé par là. Donc après, au bout de 2 mois, j'ai remis les pieds sur une piste d'athlétisme et je peux te dire que ça a été aussi de la claque parce que je me suis rendu compte que je savais plus courir et qu'il fallait que je reprenne toutes les bases de A. Donc du début, vraiment une débutante. On n'y pense pas avant, hein. On pense pas que Non, ça va on pense pas du recoller. tout, on pense pas du tout. Donc bon, mon poids, je l'ai perdu comme ça parce que, enfin, j'avais aussi mon entraîneur qui me faisait monter sur la balance une fois par semaine. Et je peux te dire que si les kilos ne descendaient pas, ça bardait pour moi. Donc, Tu faisais des pompes et des tours de piste. donc il y avait aussi ça qui m'a énormément aidée. Allez, Amélie, continue ta question. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu es plutôt JO, plutôt championnat du monde ou plutôt championnat d'Europe? Après, à choisir, c'est vrai que le championnat phare, c'est le JO, c'est les JO. Pour un athlète, c'est vrai que c'est l'aboutissement d'aller au jeu, de faire un résultat au jeu. Bon, les JO, c'est tous les 4 ans. C'est moins fréquent qu'un championnat du monde ou qu'un championnat d'Europe qui sont tous les 2 ans en athlétisme maintenant. Mais bon, l'événement, enfin le championnat pour moi reste quand même les Jeux Olympiques. C'est pareil pour Nina qui finira, on le rappelle, après les Jeux de Rio. À Am fait. Amélie, une autre question? Alors une question d'Émilie. Qu'est-ce que cela fait de voir une nouvelle génération arriver après la tienne? Une nouvelle génération arrivée après la mienne? Oui. Oui. C'est ça? Oui. Je trouve ça, il faut qu'il y ait de la relève, hein, donc pour moi,
toujours à dire que derrière, il faut qu'il y ait de la relève. Donc, d'un autre côté, je suis toujours en activité. Donc, c'est vrai que je m'entraîne pour des objectifs et d'être devant ces jeunes qui me poussent à la porte. Mais la relève en athlétisme, elle est un peu difficile ces dernières années. C'est vrai qu'on voit moins de performances chez les jeunes qu'à une certaine époque. Et pareil, je trouve ça dommage, mais bon, il faut qu'il y ait de la relève. Et je pense que la relève, avant qu'il y ait une relève, il faut qu'il y ait de la détection. Ça part beaucoup plus en amont que ça. Il faut qu'il y ait une détection. Il faut inciter les jeunes à faire de l'athlétisme pour qu'après, il y ait des graines de champions qui sortent. Et des jolies graines de préférence. Oui, de préférence. C'est l'homme qui parle, donc maintenant. Hein. L'homme a parlé. Merci, j'aime beaucoup quand tu dis ça, Muriel. L'homme a parlé, très bien. Amine, une autre question ? Oui, donc pourquoi tu fais le choix de monter sur la distance de 400 mètres et au niveau de la transition, qu'est-ce que ça donne ? J'ai fait ce choix sur une année difficile hein, pour moi, une année où je n'arrivais pas à faire les chronos sur 200 mètres et à la fois par blessure parce que le sprint, dès que je sprintais, j'avais des blessures, enfin, je souffre beaucoup de mes assertions et j'avais des fibres qui lâchaient au niveau de mes assertions. Le sprint était une discipline très explosive, très violente. Donc j'ai fait beaucoup dans l'éducation et le 200 ça n'allait pas trop et j'ai essayé un 400 sur un interclub et sur 400 j'ai fait un chrono intéressant, un deuxième, un chrono encore meilleur et puis ça n'allait tellement pas sur 200 parce que j'avais vraiment trop de repères que le 400 est venu comme un souffle, quoi. Un air vraiment nouveau qui m'a permis de me lancer dessus avec aucun repère. Et c'est vrai que la première année, ça a bien fonctionné et depuis, j'y suis. Mais je tiens à dire que c'est très, très difficile, que le 400 et le 200, ça n'a rien à voir. Les entraînements n'ont rien à voir et c'est des entraînements vraiment très, très, très durs. Eh bien, okay. On veut bien te croire. Moi, 400, je n'y arrive pas. Hein. 400, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Les entraînements du 400 sont terribles. Bah, il faut gérer à la fois l'explosivité et l'endurance. Donc c'est assez compliqué quand même. Oui. Ah, oui, l'endurance. Bah, dernière ligne droite. Oui, les derniers 100 mètres sont un peu plus difficiles, je pense. Ah oui, voilà, on voit souvent le mur. La dernière ligne droite est dure quand même. Hein. Après le dernier virage, tu te dis, ouf, bah, maintenant, il n'y a plus que ça à faire, mais c'est encore très long. Oui, très bien. Ah, comme quoi, je m'y connais un petit peu comme mon athlète. Oui, c'est ça. Amine, notre question. Mais écoute, les questions que j'avais, on y a répondu au long de l'émission, donc c'est bon pour moi. Eh ben, si Nina en a une autre. Nina, une question. Moi, j'ai une question un peu, c'est de la curiosité. J'aurais juste aimé savoir comment tu fais pour gérer tes déplacements par rapport à ton fils. Est-ce que tu l'emmènes toujours avec toi ou... Mes déplacements, mon fils, quand je me déplace, ne vient pas avec moi, mais je minimise vraiment mes déplacements. C'est vrai que bon, j'ai deux stages dans l'année à faire, donc je pars en stage 15 jours, et pareil, mes stages, je ne dépasse pas les 15 jours. Maintenant, je fais le choix en accord avec mon entraîneur qui me permet de le faire aussi. Donc, je ne pars pas plus de 15 jours en stage. J'ai deux à trois stages de 15 jours dans l'année. Et les déplacements, sur des compétitions, je choisis des compétitions avec un déplacement très court. Enfin, je pars souvent la veille de la compétition. Et si j'ai la possibilité de rentrer les heures de la compétition, je rentre ou je rentre le lendemain pour être le plus souvent chez moi avec ma famille. Enfin, mon fils, c'est vrai, bon, maintenant il comprend, il a 8 ans, donc il arrive maintenant à faire la part de choses, mais même moi, j'ai besoin d'être plus souvent chez moi. Et à partir de quel âge il a réussi à bien comprendre, dis-moi ? Donne-moi de l'espoir. Comment ? À partir de quel âge il a réussi à bien comprendre ? À bien comprendre ? À partir de quel âge ?
compris, il a vite compris dès sa rentrée en maternelle, hein, je pense, dès 3 ans, il a compris que maman courait, qu'elle partait de temps en temps, qu'elle revenait. C'est vrai que je l'emmenais par contre des fois sur le stade à l'entraînement, pas souvent parce que c'était très difficile à gérer, pour qu'il voyait un petit peu ce que je faisais. Bon, il a eu des occasions de me voir à la télé, donc bon, il a vite compris. Il a vite compris, donc. Mais bon, d'un autre côté, j'ai essayé de limiter mes déplacements. Parce que c'est vrai que je peux pas l'emmener quand je pars en stage ou quand je suis en championnat ou en compétition, donc je limitais au maximum mes déplacements. D'accord. Alors moi, si les filles, vous avez fini, moi j'ai une question. Dites-moi si c'est bon. Et moi j'ai une question par contre à poser à Muriel après. Moi c'est bon. D'accord. Si c'est bon pour tout le monde, moi j'ai une question à poser à Muriel, puisque on le sait, Muriel, tu es maintenant ambassadrice donc de l'UNSS. Qu'est-ce qui t'a fort, entre guillemets, poussé à faire ce choix, d'accepter cette proposition de l'UNSS? Bah, c'est vrai que c'est une proposition qui m'a été faite et bah, je l'ai acceptée parce que l'UNSS, je connais. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé par l'UNSS et si j'avais pas eu l'UNSS, j'aurais peut-être pas fait ma carrière d'athlète que j'ai pu avoir. Et c'est vrai, à travers l'UNSS, ben moi j'ai découvert mon sport, j'ai découvert une certaine ambiance qui m'a plu et puis je suis là pour faire passer ce message. Bah, qu'il faut faire de l'UNSS, c'est une facilité pour les jeunes de faire une pratique sportive en dehors d'un club. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. D'accord. Simplement. Et donc pourquoi Muriel Ortiz, ambassadrice de la Fine Sport, pour en oublier? Oui, la Fine Sport, tout simplement, c'est un réseau social hein, qui permet d'avoir une plateforme où les sportifs peuvent échanger. Et moi, j'ai trouvé ce principe vraiment très, très intéressant et génial. Donc, c'est aussi pour ça que du coup, j'ai adhéré à la Fine Sport. D'accord, et donc tu as été plus ou moins conquis par les discours de François Mauriez, donc leur président finalement. Voilà. Qui effectivement est un très bon orateur, hein, comme tu le sais, parce que moi aussi je l'ai souvent téléphone, tout comme toi. Et c'est un très bon orateur, François, on lui fait des gros bisous d'ailleurs. Oui, on l'envoie très fort, François. D'accord, et on le rappelle, après l'émission, on sera en chat directement de nous sur Life in Sport. Si Muriel veut aussi joindre, ce sera avec grand plaisir, donc n'hésitez pas, oui, franchement, c'est que du plaisir Life in Sport. Et c'est vraiment un très bon réseau social où on peut parler avec plein de sportifs. On l'a vu aussi, on l'a testé. Et franchement, n'hésitez pas une seconde. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la dernière partie de l'émission qui effectivement, est la partie prono. C'est très rapide, ça durera les quelques minutes. Amé, à toi la parole. Les pronos, t'es lancé. À toi. Allez, c'est lancé. Alors, Muriel, déjà, est-ce que tu suis un peu les résultats football, hand Que féminin. Ou pas du tout. Féminin, quand il y a de grands championnats. D'accord. Il y a l'Euro bientôt. Bon, on va voir. Oui, quand il y a de grands championnats. Oui, ça par contre, c'est quand il y a des grands championnats. Après, c'est vrai que c'est plus difficile quand il n'y a pas de grands championnats parce qu'il n'y a pas forcément de retransmission. Il faut suivre le sport. Comment? Il faut suivre le sport. Nous, on est au courant de tous les grands championnats. Ah oui. C'est vrai que quand il y a les grands championnats, je suis, oui. Bah, comme je disais tout à l'heure, enfin, bon, au JO, j'ai du mal à suivre puisque bon, j'y étais. Mais bah, après, je sais les résultats qui ont été faits sur l'équipe de France. Mais quand il y a un championnat du monde, enfin, moi, je regarde, j'adore regarder le sport en général. Ok. Bon, ben écoute, on va attaquer par le hand. Est-ce que tu peux me donner le prono du match Metz-Dijon, donc l'équipe de Nina, pour ce week-end? Un petit prono. Un petit prono, Metz
Pigeon féminin, 15. Oh, juste le vainqueur, au pire, juste le vainqueur, Muriel. Comment? Juste le vainqueur, donne pas le score. Ah, juste le vainqueur. Oui. Oui. Alors, par contre, pour information, alors, moi juste, je dirais une petite chose, c'est que c'est pas Dijon, c'est la Coupe d'Europe à mai, il me semble. Nina, tu nous confirmes? Ah, d'accord. Oui, je vous confirme. C'est la Coupe d'Europe. Elle est où, avec Nina? Nina, tu ne me reprends même pas, en plus. Avec le match. Mais non, parce que je me suis dit, bon, on va laisser ça passer inaperçu. Non, non, c'est le match de Coupe d'Europe où les Messines ont perdu au match aller et doivent absolument gagner aux arènes. Alors, juste sur le prono de Coupe d'Europe, est-ce que tu vois Metz gagnante, Muriel, ou pas? En sachant qu'elles ont l'obligation de gagner. Elle a l'obligation de gagner? Et que Nina est capitaine de Metz. Ah, de Metz? Bon, ben Metz. Écoute, Metz. J'aime bien le dernier coup de pression là. Nina est capitaine de Metz. Metz. Ah, ben, Metz. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Bon, Nina, je ne demande pas ton avis. Tu ne comptes pas. Dedans, il écoute, je vais dire Metz. Plus 7. Voilà. Moi, je vais dire Metz aussi parce que les Messines doivent gagner et ont le moyen de gagner largement. Moi, je fais confiance à Paul, à Poli, à Cathy, à Grace, à Nina pour ça, donc il n'y a pas de souci. Amé, ton prono sur Metz? Metz, bien sûr. Allez, une Coupe d'Europe ce week-end, on le rappelle. Amé, continue. Alors, du coup, on va passer sur le football ensuite. On prend plus de risques. Alors, PSG reçoit Lyon. Voilà, donc, les pronos de Muriel. En football féminin. Lyon. En football. Donc, Lyon pour Metz, qui, Lyon pour Metz qui prend pas de risque. Elle a raison. Nina? Bah, moi, anti-parisienne. Eh, forcément, comme tout le monde, toi aussi. Tu vas dire Lyon, forcément, tout comme moi. Même si moi, je verrais bien un match nul comme entre les deux équipes. Mais pourquoi pas. À voir. Amé, ton avis sur toi en tant qu'experte au football féminin? Lyon. D'accord. Autre Lyon, match Lyon. Ben, écoute, on va parler un peu des Rafettes qui se déplacent à ici. Oui. Les donc, bon, au niveau du classement, c'est ici est 11e, Rodez c'est 10e. Donc, bah, pas perdre, hein, j'ai envie de dire, Elodie, elle va pas être contente là, si vous faites un bon résultat ici, qui, on le rappelle, a battu Toulouse 4-3 la semaine dernière. Voilà. Donc, Muriel, ton pronostic? Alors, je rappelle que Amélie joue à Rodez. J'adore, ne l'influencez pas. Rodez. Voilà, une petite Rafette supplémentaire. Allez. Nina, ton avis sur les Rafettes face à ici? Et après ça, on dit que c'est une radio libre. Hein. Mais moi, avec les Rafettes, qu'est-ce que tu crois? Bah oui, car... même pas photo. Bah oui. Oh, c'est gentil. Nina, ton avis sur les Rafettes? Bah moi, forcément, moi, tout le monde, c'est les Rafettes. obligatoirement. C'est bien. Et donc, toi, c'est les Rafettes aussi, je suppose? Bah, bien sûr. Voilà, ce qui conclut donc notre émission sur ces parties pronostiques. J'aimerais juste faire une grosse dédicace à nos partenaires, donc à une2.net qui suit le foot féminin, donc H24, et bravo à eux. Un gros bisou aussi à Femmes de Sport, notre autre partenaire, donc à Flo notamment, qui suit donc tout le sport féminin tout le temps, tout comme Elle Sport. Une grosse dédicace à l'UNSS France et à Life in Sport. Donc on le rappelle, on suivra donc là, ensuite Life in Sport, on sera dessus pour le chat. On le rappelle aussi, l'anniversaire d'Amé ce soir. Bon anniversaire, ma belle. Merci. C'est normal. Alors, juste un petit mot pour finir l'émission, un petit mot de Muriel. Muriel, entre toi et moi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour que les jeunes fassent de l'athlétisme aujourd'hui, et notamment les filles? Un petit mot rapidement. De quoi? Pour que les filles fassent de l'athlétisme? Voilà, pour que les filles signent à l'athlé. Ouais, ben, vous allez toutes perdre du poids, les filles. Faites de l'athlétisme. Je sais pas comment ils doivent le prendre, ça, mais... Je rigole. On l'enregistre. Les filles, vous êtes un peu trop grasses. Faites de l'athlétisme. Muriel vous accueillera sans problème. Je trouve qu'elle était bien, ta pub. Pour avoir des fesses bien galbées, des cuisses fermes, venez nous inscrire. Elle s'en met avec nous. Bah écoute, c'est le mot de la fin. Donc, on le rappelle, donc, nos émissions de la semaine. Demain soir, vous pouvez retrouver Mathieu et toute son équipe dans le Motor Show. Vendredi soir, eh bien, Elsport se tape l'incruste dans vos pronos. Et Elsport fera plus que se taper l'incruste, puisque Émilie sera au reine d'Avos Pronos. Donc, elle n'était pas là ce soir. On lui fait des énormes bisous. Elle a un souci technique. Elle n'était pas là, malheureusement. On la regrette beaucoup. Mais elle sera aux commandes d'Avos Pronos vendredi soir. Lundi, vous retrouverez Ande, donc avec toute l'équipe de Lusa et de Ben, notamment, donc, qui seront présents pour vous parler du handball
masculin à travers l'Hexagone. Mardi, deux émissions, le débrief et quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Mercredi, liberté pour les auditeurs et bien sûr toute l'équipe d'El Sport qui sera de retour à partir de 21h30. Bonne soirée à tous, merci à tous, merci à Nina, merci à Mé et un gros merci à Muriel qui est traité de toute l'émission. Et cette grosse exclue, hein, je le rappelle, dans un an j'arrête. Sérieux, ce soir je me crois affronter les visions. Je me prends pour Nelson Montfort, c'est génial. Bonne soirée à tous, merci, gros bisous et à bientôt. Ciao, bye bye. Bonne soirée. LLL Sport. LLL Sport.